Salut à tous, c'est N1007 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en compagnie d'Evangelion H. Salut à toi. Salut tout le monde, salut elle, salut ceux qui nous regardent et salut les autres. Donc alors c'est la première vidéo de ma série donc retour dans le passé. Enfin, ce n'est pas vraiment un retour dans le passé qu'on va effectuer, c'est plutôt comme dirait Evan, l'échantillon si on peut dire. Tout simplement parce qu'on va se servir de cette version-là Pour la comparer aux autres. voilà, pour la comparer aux autres. Excusez-moi. Et donc en fait, donc là on est en snapshot 12W34A, je crois bien, Ouais. si c'est pas de bêtises, et on est sur un monde généré normalement. C'est moi où il y a 500 000 cochons, Il y a c'est pire que vraiment des lapins. donc il y a beaucoup de cochons en effet. C'est pire que des lapins en fait. Oui, ça a pas mal spawné quand même. Sais pas si c'est du spawn ou de la reproduction, mais. Ouais, je sais pas non plus. Par contre, je trouve qu'il y a un autre truc bizarre dans cette snapshot, c'est que quand on saute de deux blocs, on prend des dégâts. Ah bah non, là j'ai capturé une. Bon, c'est bizarre. Donc sinon, à propos donc de la donc pour cette série, je veux dire, excusez-moi, on a quelques objectifs en fait pour la rendre un tout petit peu plus vivante. Donc l'objectif numéro un, c'est de se construire une petite maison. Donc on s'est pas trop donné de taille, mais on va essayer de faire du 8 par 8 ou 10 par 10. Enfin, on verra bien. Ensuite, il faut avoir 10 laines. Vu le spawn où on est, je crois que ça va pas être trop compliqué. Ouais, Enfin, il y a pas mal de je comprends. moutons. On va quand même essayer d'avoir une cisaille parce que je crois pas qu'il y en ait 10 au total. Sinon, il faut adopter un loup ou un chien. Je sais pas si ça va être facile, ça, par contre, parce que c'est un biome jungle et il n'y a pas l'air d'avoir de chien ici. Il y a une petite forêt, peut-être qu'il y en a là-dedans. Juste, je commence à couper les arbres. Ok, vas-y. Donc la maison, on la fera à un endroit, enfin on verra bien plus tard. Ouais, par contre j'ai peur qu'il n'y ait pas de loup, enfin j'ai peur que ça soit assez dur à trouver. Tu ramasses de la dirt pour faire la maison ou on la fait avec quoi? La fin en bois, la fin en bois, t'inquiète. D'accord. Oui, là, c'est bizarre cette plantation de bambou. Très très stylé. Alors sinon, donc pour cette... voilà, hein, je crois que pour le défi j'ai à peu près tout dit. Ah non. Donc il faut tuer 5 zombies et 5 squelettes. Tout simplement parce que ce sont les mobs qui sont, je crois, dans toutes les versions qu'on va tester. Parce que dans les autres versions qu'on va tester, ben, il n'y aura pas ces mobs-là. Et aussi, le but c'est d'avoir 15 fers. Et j'ai complètement fait mon saut. Et je crois que ça va être aussi assez simple parce qu'il y a pas mal de crevasses, enfin de grottes. On verra bien le temps qu'on mettra à la fin de cette vidéo, sachant qu'il y a quand même quelques minutes d'explication. Donc sinon ce serait cool aussi de repérer un village PNJ, enfin Ouais. bon, on Je viens verra. de penser à un truc, t'imagines, il y a les. Là, je suis en train de couper un arbre du biome jungle, mais t'imagines, il y a une pomme qui tombe de l'arbre. Comment c'est trop pas réaliste? C'est vrai Bon, que bref. ouais, je pense que bah il y en a déjà des pommes parce qu'en Hunger Games je me suis déjà amusé à casser les feuilles pour pas mourir tout simplement. Et oui, il y a des pommes en effet. Donc déjà comme Oui, vous ils sont pouvez le pas voir, logiques. hein, les branches des arbres, ben il y a du bois tordu. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouvera sans doute, qu'on ne retrouvera pas tout simplement dans les prochaines versions. Enfin dans les anciennes versions. Parce que bon, c'est une nouveauté de la 1.3, je crois bien. Donc j'ai 9 bois là, je sais pas combien t'en as. Pas mal. Ça te dit, on s'installe là? Par contre, je ne te vois pas du tout. Je ne sais pas où tu es. En parlant des villages NPC, ce serait vraiment bien d'en trouver. Bon, tout simplement parce que bon, on irait plus vite. Et Ouais. si pour vraiment pour parler de cette nouveauté, parce que bon, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas aussi dans les versions intérieures. Enfin, si peut-être en 1.0, je crois qu'on va pouvoir retrouver ça. Mais Ce sera la seule version, hein. ouais, voilà, il n'y en aura pas de partout quoi. C'est là où il y a ton crafting? Ouais. Tiens, t'as le skin de Kevin. Eh merde. Crois que c'est la version qui plante. Je sais pas si j'ai le skin de Kevin. Non, je n'ai pas le skin de Kevin. Donc alors j'ai pris 9 bois, donc toi je pense que t'as du bois jungle. Ouais, 27 bois de jungle. Ben on va se servir de mon bois pour. Oh, on peut faire des boutons comme ça. Ah c'est nouveau ça, c'est pas mal. Donc alors on va donc je fais des sticks tout simplement. T'as quoi toi? Comme tu peux me filer deux, enfin non, Attends. trois de bois s'il te plaît. Ouais, Non, tiens. pas trois de bois, trois de pierre je veux dire. Excuse-moi. Merde, j'ai. Ah non, c'est bon, pierre, j'ai. Tiens. Merci. Voilà, c'est bon. Il y a ton bois devant par contre. Bon, je le récupère. Prends-le. Et voilà, c'est fait. 14 bois. Ah, j'ai déjà plus de nourriture. Faudrait faire un petit four vite fait. Alors,
Donc je vais miner Attends, assez. je m'occupe des vaches là. Oh, une jolie crevasse. Ah Ah, il y a un ouais. arbre en dessous, en effet. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça aussi, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une nouveauté, je crois, qui sort depuis la 1.8. Donc, je vais recommencer ma phrase. Dans les versions antérieures, on ne pourra pas voir ça. Mais bon, on va voir, hein, de toute façon quelle version est la plus simple, surtout aussi. Oula, ça descend raide là. Ah, mais c'est encore la crevasse. Je crois que le fer, ça va être assez rapide. Hein. Ouais, ça va être très rapide. Donc, on commence par quel défi? La laine? Enfin, non, la laine, ce serait bien d'avoir du fer. On les fait tous en même temps, on verra bien. Ouais, allez, on verra la suite. Il y a un œuf, tiens, là, ici. Voilà, je vais passer par là. Putain, mais toutes les vaches et les cochons qu'il y a, mais c'est un truc de malade. Hein. Ouais, le spawn il a été un peu. Oh, mais c'est pire que le baby boom là. Par contre, je ne vois pas de fer sur cette corniche. Et je ne vais pas sauter parce que je suis pas un kamikaze. Voilà. Genre, t'es pas un kamikaze. Oh non, j'ai fait tomber la viande dans le trou. Ah, excusez-moi pour ce rire bizarre. Excusez-moi, je pouvais pas m'en empêcher. Bon, je vais essayer de descendre par là en fait. Ouais, ça va être dur. On va faire comme ça. Ah là là, j'aurais pas dû casser la dirt. Ouais, mais va pas miner parce que c'est toi qui filmes, on va pas voir grand chose, hein. Fais gaffe, Ben, là, hein. je vais rester dans la mine. Donc, normalement, enfin, dans le Ouais, creep. là, ouais, d'accord. Normalement, on devrait bien voir. Il y a un zombie juste en dessous d'ailleurs. Voilà. Alors, je pourrais poser ma pierre. Je peux pas poser ma pierre. On va faire comme ça. Voilà. Ou même, en effet, il y a beaucoup de fer. On n'est pas en hardcore là, on risque pas de crever si on n'a plus de bouffe. Non, non, nous ne sommes pas en hardcore. Non, sinon, on aurait les petits cœurs avec des ailes, je crois. Donc, Ah. on tient aussi à s'excuser là du bruit de souris, enfin, du bruit de ma souris, parce que là, bon, je pense que vous l'avez entendu. Ouais, enfin, qu'on l'entend pas trop comparé à l'autre vidéo où on a fait sur le Ouais. truc de capture là. Aïe, je me fais. Donc je crois que allez, on fait toujours le petit truc. Si on est en hardcore, hein. Je perds de la vie là. Mais oui, tu perds de la vie, mais tu meurs pas. Ça s'arrêtera normalement à temps de. Normalement, ça s'arrête. Tu perds pas jusqu'au bout. Donc sinon, aussi, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais j'ai une page Facebook. Donc ça serait vraiment sympa que vous la rejoigniez. Tout simplement parce que cette page Facebook, bah, en fait, elle me permet. Enfin, elle permet de me faire connaître. Tout simplement parce que quand vous partagez une page, et ben tous vos amis voient que vous la partagez. Et quand vous la partagez, ben ils vont peut-être cliquer dessus. Et ça serait vraiment bien en fait En gros, d'élargir faites-nous mon de la pub, audience en fait. faites de la pub à elle, en gros, quoi. Ouais, enfin c'est pas comme ça vraiment qu'il faut le dire, mais ce serait vraiment cool parce que si on reste, je veux dire, dans le même cercle, donc là quasiment sont que mes amis, les abonnés, si on reste dans le même cercle, ça reste un problème parce que bon, ça va pas trop s'élargir ensuite. Donc ça serait vraiment cool que vous partagiez sur Facebook parce que je pense qu'aujourd'hui Facebook c'est un réseau social assez connu et que souvent beaucoup de monde a beaucoup d'amis dessus. Et bon, enfin je vous oblige pas à le faire, mais ça serait vraiment sympa. Donc le lien normalement il est dans la description de ma chaîne, mais je pourrais le mettre aussi dans la description de la vidéo si j'y pense. Donc sinon au Je te le niveau des ferai penser. ok. Donc sinon au niveau des défis, bah, on n'a encore rien accompli. Au sujet, sinon, ah oui, ça fait plusieurs fois qu'on recommence cette vidéo, parce que bon déjà la première elle a duré 2 heures, la première vidéo. Et en fait, on a eu un petit problème dans la deuxième partie de la vidéo, tout simplement parce que Fraps a enregistré le son Skype, et j'ai enregistré aussi le son Skype avec un autre logiciel. Et sur Fraps on m'entend pas en fait. Et le problème, donc ça fait en fait tout simplement que ça va faire un écho. Et aussi au niveau de la qualité de capture, on a eu un problème parce que Fraps gère très mal les contrastes. En fait, quand je minais, il faisait un petit peu noir. Et ben, en fait, on voyait rien du tout. Donc c'était un gros problème parce que dans la deuxième partie, j'ai beaucoup miné. Et d'ailleurs, c'est moi qui avais trouvé des diamants. Parce que on a changé aussi quelques objectifs.
Avant, il fallait trouver des diamants, on a enlevé cet objectif parce qu'on a vu que ça nous prenait vraiment beaucoup de temps. Ouais, on a mis 2 heures pour tout réussir et pourtant les objectifs étaient pas très 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 longs quoi. En Donc fait, on a là beaucoup de on a temps. tout minimalisé quoi. Voilà. Et juste, attends, regarde, Il y en a elle une regarde. tonne et je meurs de faim. Prends Hop. la viande dans la dans, Je dans le leur. four. Faut pas que je le regarde, faut pas que je le regarde. Me regarde pas, toi. Voilà. Attends, tiens, prends ça, regarde, ils ont changé la texture, j'ai l'impression, non? Et je crois que c'est moi qui ai un texture pack en fait. Non, 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 mais moi non plus, j'ai pas texture pack et c'est une autre texture. Ah oui, en effet. Ah oui, les textures ont changé. Ah mais je croyais que j'avais mon texture pack en fait. Non. Oh, j'ai cru qu'il y a eu le jour tout d'un coup. Me regarde pas, toi. Oh, tu regardes. Flippes là. Non, mais attends, mais il y a des squelettes et tout là-bas, moi je vais me faire exploser. Ouais, on fait un abri là. Bon, je suis encore en train de mourir. Ah, j'ai plus de bois. Tu viens me rendre mon armure là, je vais tuer des zombies. De quoi? Ton armure, tu veux que je te la rende? Bon, sinon là, je vais y aller comme ça au corps à corps. Je Aïe. suis trop un ouf. Ils sont où les zombies? T'es trop un zouf. Alors, excusez-moi. Donc voilà, on a un petit cabanon là. On va améliorer ça parce que je suis pas sûr que ça compte réellement comme une maison. C'est pire qu'un cabanon, ça, ouais. Ouais, je vois ça. Enfin. C'est la niche de mon chat. Oh le pauvre. Non, je rigolais. Je vais faire un autre four d'ailleurs. Ah, mais on n'a même pas la place de vivre dedans. Comment tu veux faire un four? Tu vas le Et mettre où? ben, tu vois, on a la place maintenant pour vivre à deux, tu vois. On a Ouais, trop le lit. bien. Ça va Et on le être met où le lit? sur le toit. J'espère que t'as 2 lits parce que je dors pas avec toi, moi. Bah, il faut 3 cases là-haut, donc c'est bon, on les a. T'inquiète. Ce sera juste un petit embêtant pour les araignées. Tiens, j'ai 16 de fer. Et bien sûr, j'ai quand on dit, enfin, 16 blocs de fer. 16 fer, enfin. 16 fer avec de la cobble. Enfin, mélangé avec de la cobble. Le défi sera validé seulement quand elles seront cuites. Donc, c'est-à-dire dans peu de temps. Sinon, t'as tué combien de squelettes ou zombies? Rien, Moi, nada. j'ai tué un zombie, moi. Donc, voilà. Par contre, attendez 2 secondes. Je ramasse une feuille, excusez-moi, de mon activité, de mon Moi, inactivité sur la vidéo. je suis un pacifiste, moi, je tue personne. Ok. Donc, alors, 2 secondes, si vous, excusez-moi. Voilà. Donc, alors, j'ai vite fait faire. Ouais. Oh, j'ai une pomme. Je reçois des messages. Excusez-moi si vous avez entendu mon téléphone vibrer. C'était vraiment. Il fallait pas trop que je le dise, mais bon. J'avais pas trop le choix parce que si vous entendez des bruits bizarres à côté. Voilà. Faudrait faire une cisaille. Enfin, j'attends que tout le fer soit cuit. Comme ça, on valide le défi et comme ça, on peut passer aux autres défis. Faudrait tuer des squelettes pour avoir des os, non? Ça serait cool, ça, non? Hein, quoi? Tuer des squelettes pour avoir des os. Pour Tu fais adopter des quoi avec chiens. les os? Ah ouais. Bah les chiens, on les tue au pire, c'est pas grave. Non, mais c'est adopté, là. Enfin, dans cette version, comme on peut les adopter, on va les adopter. Parce que je crois que. Juste, est-ce que tu peux me faire une pioche en pierre? Parce que en fait, je suis allé descendre pour aller chercher du fer, mais comme un con, je me suis rendu compte que j'avais pas de pioche en fer. Je suis juste en dessous de toi. Dans la grotte. Ouais, ok. Oh merde, zombie. Tiens, t'es où? Attends, y a un zombie. T'es où? Je suis là, mais je suis en sneak pour pas tomber. Je te vois pas. Mais derrière toi, dans l'autre crevasse, là où il y a la grosse grotte. Là, il y a la grotte. Retourne à la table de craft. Attends, 2 secondes, 2 secondes. Je mange un peu là. Voilà. Où ça? Va à la table de craft. Ouais. Ouais, j'y suis là. Bah, normalement, regarde en bas, vers le bas. Là où il y a la terre qui s'arrête là. Putain, mais je te vois moi. Non, mais laisse Là. tomber, je te vois pas, ça sert à rien. Mais viens plutôt parce que là, on perd du Mais temps. je peux pas remonter, je suis coincé en bas. Bah oui, mais je te vois pas, donc c'est un problème. Si tu montes sur le toit de la maison, tu me vois. Je peux Là, pas. je te vois, je te vois. Je ne te vois pas. Là, tu me vois pas là en face de Mais si, toi. là, je te vois, en fait. T'as pas une pioche en pierre sur toi? Bah si, je la ramène, justement. Donc voilà. Comment on va là-dessus? Ah, il y a un donjon en bas, en fait, hein. Je sais pas si t'as vu. Non. Excusez-moi. Bah attends, je vais y aller, hein. Oh merde. Donne-moi la pioche avant de mourir. Non, t'inquiète pas, je vais pas mourir. Et en plus, je suis en bas. Hein. Ah, t'es là. Tiens. Aïe, je tremble un peu. Elle est à tes pieds, elle est à tes pieds.
Donc alors, sinon, bah, je crois que j'avais pas grand-chose à dire à propos de ma chaîne. À part que si je vais sortir ma prochaine vidéo, normalement, elle va être sur le top 10 des jeux iPhone que je vais sortir dans peu de temps. Enfin, normalement, hein, c'est prévu. Et vraiment, je vais faire un test avec un petit gameplay de chaque jeu. Enfin, chaque jeu que je préfère. Donc, c'est-à-dire, comme c'est un top 10, ben, il va y avoir 10 jeux, logiquement. Il va pas en avoir 11 ou 9. Et cette vidéo, Waouh, tu donc. sais compter. Ouais, t'as dit Désolé. ça. Et donc voilà, ça va être vraiment dans le but de vous faire découvrir des jeux qui ne sont. Enfin, il y en a beaucoup qui sont connus quand même, il y en a deux ou trois qui sont pas très bien connus. Et je pense que ça vaut le coup. Donc le défi du fer a été obtenu. Donc je sais pas comment on dit ça, mais voilà, on a obtenu les plus de 15 fers. Sinon. Félicitations. Voilà. Congratulations. Sinon, voilà, moi je comptais faire. Voilà. Avec ces fers, donc je vais faire une cisaille pour obtenir la laine. Par contre, il y a beaucoup de zombies. C'est assez dur là quand même la nuit. Et j'ai pas d'épée, j'aurais dû en faire une. Je retourne à la maison. Enfin, si on peut appeler. Le Kajibi, si on peut dire. Je pouvais pas m'en empêcher. C'est un KGB quoi. Oh putain, je vais me casser la gueule. Bon. Alors, une épée. M'en faire une en fer. Voilà. Fais gaffe, il y a un creeper à côté de la maison qui est juste derrière toi. Il y en a même deux. Donc alors une araignée. Alors là on a deux zombies. Aïe. Combien de zombies là? T'en as tué un? Donc ça fait 4. Et il en manque un. Il est là, il est là. Maintenant, faut se faire les archers. Ouais, mais là, attends, il y a 50 creepers. Moi, je veux pas. Ah, là-bas, il y a deux. Il y a dans les deux. Ouais, t'inquiète pas, j'avais vu. Oula. Vite, avant que le jour se lève. Donc là, ça fait 1. 2. Vite. Creeper. 2. Là-bas, il y en a. Ça en fait 2, vite, avant que le jour se lève. Donc là ça fait 3 normalement si je compte bien. Le 4 il m'en faut encore 2. Je sais pas si t'en vois. Non. Non. Bon bah je crois qu'il va falloir faire ça la nuit prochaine. Ça risque de nous prendre un petit peu de temps quand même à attendre la nuit. Ah non c'est bon, j'en vois un. Ah bah non en fait j'en vois pas, c'était un arbre. Faut essayer d'en trouver dans la forêt, peut-être. Attends, je cours là justement dans la forêt avant qu'ils brûlent tous. J'en espérais en trouver un. Serait vraiment cool que j'en trouve un là. Enfin bon, je cours en diagonale, hein, normalement je m'en trouve. Oh, un biome neige. Il y a peut-être des loups là-dedans. J'ai un os. Si je trouve des loups avec ça, j'ai trop de la chance. Parce que en plus j'ai qu'un seul os. Au pire, tu le tueras après, quoi. Oh, un loup là. Nickel. Il y en a même deux. Écoute, t'es un gros chanceux, hein. Mais non! Le seul os que j'avais! Oh non! Bon bah, on y retournera plus tard. Mais tue-le, ça comptera comme un objectif. Non, non, on n'avait pas dit ça. Si. Mince. Voilà. Par contre, j'ai récupéré ça. Ça m'intéresse pas du tout. Je me suis perdu dans la jungle. C'est pas grave du tout. Non, je rigole. Donc là, j'en suis à 5 laines. Maintenant, tu penses que si je tue le chien, ça revient même? Bah oui, Enfin, on avait ouais. dit. Parce que dans certaines versions, on peut pas les adopter. Bon, allez, on va l'adopter juste pour vous. Qu'est-ce qu'on est gentil. Non, tue-le, tue-le, tue-le. Bon, allez, ouais. Après, il y a sa troupe quoi qui vont venir me bouffer. J'ai pas spécialement envie de les tuer. Oh, une pomme! Ah, j'aurais pas dû taper avec ma cisaille. C'est pas grave. Ah, un champignon! Donc, alors, je crois que j'étais parti en ligne droite, enfin, pour revenir comme ça. C'est bon, j'ai retrouvé la maison. Ok. Enfin, notre KGB plutôt. Ouais, si on peut. Essaye de la. Enfin, de faire un beau truc, s'il te plaît. Si t'as du bois ou autre chose. J'ai pas de bois là, attends. Y a beaucoup de poules là, quand même, je trouve. Sauf que les spawns sur cette carte sont un peu bizarres ou un petit Ouais, peu c'est cheat. nombreux. Je sais pas si on peut dire ça Il nous cheat. manque combien de squelettes? Il nous en manque deux.
T'as des autos ou quoi? Ouais. T'en as combien? Non, en fait. T'es sérieux là, il y a un villa. Mec! Quoi? C'est quoi ce bordel? Va vite à la maison, vite! Pourquoi? Il y a un villageois qui est en mode zombie. Ah bon? Là, t'es où? Là, regarde, attends, il y en a un qui est en normal, l'autre c'est un Ah oui, village en ouvert. effet! Ah oui, c'est un villageois là! Oh merde, j'avais pas vu ça! Ah, je savais pas que ça c'était une nouveauté! Attends, on va voir ce qu'il drop! Et ça, je le savais vraiment, il a rien droppé! Mais c'est un radin. Oh là là, c'est nul ça! J'aurais dû le tuer avant. Là-bas, il y a un squelette, je crois. Ah non. Ah ouais, D'ailleurs, il y en a dans les mines, au pire, il y en a dans les mines! bah, c'est pour ça que je suis allé dedans, en fait. Putain, il y a Et encore des creepers. donc si vous, vous saviez que ça existait, ça, vraiment, dites-le nous dans les commentaires! Parce que là, j'en ai vraiment surpris, quoi. Je pensais qu'Evan, il mytho, enfin, qu'il avait trouvé un NPC normal, mais non, en fait. C'est bien la vérité. Ah mais là il y a... Attends mais mec là je vais pas me le faire, il y a 50 000 zombies là, moi je sors de là. Hein. Voilà, donc c'est bon, hein, les Dylan, c'est fait. Voilà, donc il y a Evan qui est en dessous. Tu veux pas venir avec moi en dessous là, on va se faire tous les zombies et les squelettes. J'arrive, t'es où? Ouh, ça c'est caverneux quand même, hein, si on peut dire. Mais je sais pas si les gens vont le voir là par contre. Ouais, j'ai un doute là quand même. Donc je vais vite sortir. Oh putain le creeper! Ouais, il a pété en effet. Donc alors, je ressors, hein. Excusez-moi si vous ne pouviez pas voir où j'étais. Parce que dès qu'il fait un peu sombre, on voit très mal. Donc alors. Putain mais il me suit lui, il est chiant là ce creeper. Ah oui, on a oublié l'objectif final, sauf que ça faut pas le dire tout de suite, mais faudrait peut-être tuer quelques trucs pour l'avoir aussi. Peut-être que. Ouais, ok. Ouais, bah, il y en a plein normalement en dessous. Je pense que c'est bon, ils ont tous su de quoi on parlait. Alors. C'est pas grave, y en a qui iront pas encore tilté. Tout de suite, ouais. Donc, alors. Sinon, en objectif, il y a la maison à faire. Donc, je vais m'en occuper, enfin, couper du bois surtout. Donc, alors. Voilà. Voilà. Donc j'ai coupé. Plutôt on a de la jungle, ça va être plus simple à couper, je pense. Alors. Donc je vais couper en escalier, je pense que c'est. Ça va vraiment être le mieux ensuite. Je sais pas si si vous coupez comme ça ces arbres. Enfin, normalement je vais recevoir plus de 64 bois. Donc c'est assez important. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Au sujet donc quand même de cette série, c'est vraiment le, enfin c'est vraiment, moi j'ai commencé depuis la Alpha 1.7.3 et quand on va revenir dans les versions antérieures, donc vraiment je ne sais pas du tout ce qui change, les bugs, enfin tout ça, vraiment moi je ne sais pas, donc on verra bien ça. Et vraiment, je pense que ça peut vraiment être une découverte, enfin ça peut être assez surprenant aussi. Bah rien que pour le PNJ là qu'on vient de trouver, Ouais, par moi je exemple. reste con hein. Ça, Ça, c'était mais le. ça c'est attends mais si à ça ça veut dire qu'il y a un village PNJ pas loin, parce que ça voudrait dire que c'est un villageois qui s'est fait contaminer par un zombie non peut-être. Enfin moi c'est ce que j'en déduis hein mais Je pense aussi que ça doit être ça, mais je sais pas du tout. Bah, non, parce que j'ai pas vu de village. Enfin, en marchant, j'ai pas vu de village. Et après, comme il y a un océan. ouais. Ah, quoi que si, là-bas, il y a peut-être un temple ou quelque chose. Ouais, ça fait un peu loin. Mais. Enfin, on verra bien. Donc je vais essayer de couper le maximum. Donc sinon, s'il y a des personnes ici qui savent faire de beaux backgrounds, ben ce serait vraiment cool que vous me contactiez. Si vous voulez de l'argent, ben je pense que je pourrais vous payer. Mais voilà quoi, je vais pas, c'est, ça, j'aimerais pas payer plus de 10 euros quoi. Même 3 Star Pass à peu près. Je pense que ça serait vraiment honnête. Après, au-dessus, je sais pas, peut-être que si vous êtes vraiment un pro, ben c'est pas pour moi parce que vos prix vont être beaucoup trop chers et sinon, enfin voilà. Vous m'avez compris, je pense, parce que j'ai pas de gros moyens, donc on verra bien. Il y a une poule qui est bloquée dans de l'herbe. D'accord. Joli bug. On va faire une petite maison. Voilà. Voilà, petite poule, je t'ai libéré. Maintenant, je te tue et je vais te manger. Il n'y a vraiment que ça à dire.
Ouais. Et après, il y a 2 minutes, j'étais en train de dire que j'étais un pacifiste. Pourquoi tu construis une maison géante? Je sais pas, j'aime bien construire les maisons bizarres. Mais il était bien notre Kajibi. Non, il était pas bien notre Kajibi. Tu vois, là, il y a un gros couloir qui sert à rien. Mais au moins, ici, on pourra mettre un petit jardin, tu vois. Ce sera Ouais, joli. tu comptes faire un potager et tout avec? Ouais, bah ouais. D'accord. Tu crois quoi? Je crois rien Voilà. du tout. Bah voilà. Essaye de faire des vitres, par contre, s'il te plaît. J'ai que ça à foutre, attends. Bah ouais, t'as que ça à foutre, en effet. Attends. Allez, on avance petit à petit. Voilà. T'empêches, il y a un cochon, deux cochons, trois cochons, quatre cochons, cinq cochons, six cochons. Enfin, il y en a beaucoup, je vais pas tous les compter, mais il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi je compte les cochons, mais je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Enfin, là, il y en a vraiment un sacré paquet quand même, c'est assez étrange. Sinon, il y a un truc qui m'a choqué dans les arbres tout à l'heure. Voilà, c'est ça, les cabosses. Bah, je savais même pas du tout, enfin, je savais même pas qu'il y en avait. Et j'ai découvert ça en jouant à cette snapshot, je crois que ça existe depuis la 1.3. Mais vraiment, je ne savais pas avant comme quoi ça pouvait exister. C'est aussi un peu comme la tarte à la citrouille dans cette snapshot. Ils ont vraiment rajouté plein d'aliments. Et je ne sais pas du tout comment on obtient les graines des autres aliments. Comme j'ai pu voir dans certaines photos sur Des Minecraft. patates. Voilà, je crois qu'il y a des patates. Enfin, on verra bien. Mais je ne suis vraiment pas sûr de moi. Parce que j'ai vu une photo avec plein d'aliments, de nouveaux aliments. Et donc ça a l'air assez prometteur cette nouvelle version quand même. La laine, on en a assez. Désolé de te couper. La Ouais, laine, je on en a sais. assez. On a fait le D'accord. Non, défi, mais ouais, c'est c'était une question. ouais, ok. Ouais, on en a assez, on en a assez. Donc ça c'est fait. La maison. Ouais, ce serait cool que tu m'aides. Attends, je vais chercher des vitres. 3, 4. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. On va rajouter ça comme ça. Voilà, ça fait comme ça. Je suis un vrai architecte, hein, donc si vous voyez me faire des trucs, des fenêtres assez bizarres, ben, c'est normal. On va faire ça. J'essaye, honnêtement. Bon. Excusez-moi, on a lancé. Tu veux pas balancer ton portable par la fenêtre? On va éviter, on va éviter. Enfin, ce serait assez bête. Enfin, attendez. Je vais aller voir là-bas. Un truc. Faudra encore que je tue un. Attendez 2 secondes, je relis mes notes. Il nous manque combien de squelettes? Je crois qu'il manque 2 squelettes. Oh, il y a une slime là-bas. Bah, je ne peux pas les avoir qu'en profondeur maximale, enfin. D'ailleurs, pourquoi je suis allé là-bas? Moi, j'ai oublié en relisant mes notes. Ah oui, tiens, la nuit va tomber. Il va y avoir des squelettes bientôt. C'est vrai que le biome jungle, il est assez sympa. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, mais en fait, c'est une nouveauté. Pas de cette snapshot non Pas plus, de cette mais snapshot, mais c'est vraiment une nouveauté. Et ouais. on n'en retrouvera pas dans les Pour autres ceux qui versions. ont Minecraft depuis pas très longtemps, ils s'en rendent pas compte, mais pour nous qui jouons à Minecraft depuis plus d'un an, ouais, Depuis plus plus d'un an. d'un an, et ça fait quand même pas mal de nouveautés en un an. Même s'il y a eu beaucoup de mises à jour, enfin, ce qui est assez pénible d'ailleurs. Voilà quoi. Enfin, c'est pas Pour nous, super. c'est une grosse nouveauté. Enfin, c'est pas super qu'il y ait autant de mises à jour, mais c'est bien d'un côté, enfin, ça dépend. Quand on gère un Enfin, serveur, trop en mises fait, à le jour, c'est truc, pas cool. ouais, mais enfin, pour ceux qui savent ce que c'est, qui ont été sur nos serveurs, ben voilà, ils savent que c'est chiant, qu'à chaque fois il faut faire une mise à jour et tout. Mais c'est bien qu'ils aient mis des mises à jour, mais le problème c'est qu'ils en mettaient trop souvent. Il valait mieux faire une grosse mise à jour, genre tous les mois ou un truc comme ça, qu'une mise à jour par semaine. Sinon, si pour ceux qui ne sont pas au courant, le jeu est développé par Jeb en ce moment, et donc c'est plus Notch hein, qui le développe. Donc je trouve Ouais, mais que Jeb rajoute vraiment beaucoup plus de nouveautés par rapport à Notch. Utile ou non, je trouve que ça n'a pas vraiment changé, mais ça rajoute toujours du contenu, donc un but et plus d'intérêt au jeu quand même. Et retourner dans les anciennes versions, ça va vraiment être quelque chose. On va se dire, ah ouais, en fait, le travail, tout ce travail a été utile et pas inutile comme beaucoup le pensent.
Par contre, je vois pas un seul squelette. T'as tué un squelette, toi, ou Si, pas? ouais, là je viens de me faire un squelette là. Il en manque Je plus qu'un, alors. juste. Bah là-bas il y en a un deuxième donc je vais le tuer aussi. Ok. Putain, mais ils font trop mal les squelettes. En fait, le problème c'est que tu peux pas t'approcher d'eux parce que ils te propulsent en arrière. Voilà. Bon bah c'est bon, on a tous les On a squelettes. fait. Ok, bah là j'en tue encore un. Voilà, j'ai un os, un creeper là. Toi, je t'aime pas. Non, casse pas ma maison. Voilà, j'en ai tué un. Un deuxième. Oh merde. Là, il y a un creeper, il a fait un gros boom. Ouais, c'est à cause de moi. Non, Donc merde. cette maison, faudrait que tu. Ce serait cool que tu. Enfin, t'as une pelle toi ou pas? Non, mais je suis allé chercher du verre. Par contre, il nous manquerait de la gunpowder. T'as combien de gunpowder? Zéro, il a rien droppé là, là. Ah, merde. Voilà. Non, je creuse à la main, ça prend un peu de temps, c'est assez bête. Par contre, ça serait cool plutôt qu'on aille, enfin, qu'on dorme parce que là, Non, pas tout de suite, attends une seconde. si, si, parce qu'en fait, je crois que les gens, enfin, les personnes qui regardent la vidéo ne voient pas très bien. Ouais, bah attends une seconde. On va aller dormir. T'as de quoi faire un lit ou pas quand même? Oui. Il y a encore un NPC zombie. Ah ouais? Ouais. Ils en ont fait beaucoup. C'est assez étrange d'ailleurs. Qu'ils aient eu cette idée à NPC zombie. Tu vois bien, je. Oh merde, j'ai aggro un. T'as quoi? J'ai aggro un. T'as quoi? Ça veut dire quoi, gros? Agressé un Enderman. Ah. Enfin, je l'ai regardé Bah, et du coup, viens, il s'il m'a te plaît, agressé. rentre parce que je crois que les gens là vraiment ils voient rien sur la vidéo. Attends, je me fais frapper. Oh là Putain, là. je me fais violenter de tous les côtés, quoi. Ils sont méchants avec moi. Tout le monde est méchant avec toi de toute façon. Oui. Donc voilà. Il y a. Dans la. Dans l'autre. Non, mais ferme Non pas. mais Il si fait. si on ferme mais sinon voilà. Essaye de te coucher s'il te plaît parce que là vraiment comme ici il voit rien ça serait vraiment bête. Non ferme pas l'eau ça sert à rien. Non mais les araignées elles peuvent passer. Hein. Je suis pas sûr. Si en un de hauteur et deux de largeur elles passent. Par contre moi je peux pas me coucher. Bah clique. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, je pense, excusez-moi hein, si vraiment vous ne voyez pas bien. Donc voilà. Donc au niveau des défis qui nous restent, donc la maison, on n'a pas fini de la construire, donc c'est en attente. Et adopter un chien. Donc t'as des os Mais et là. toi. T'aurais dû le tuer, le chien. Mais non, non, enfin adopter. T'as des os s'il te plaît? Non. Mais Ah si, si, t'as j'en tous ai les trois. squelettes. Vas-y, donne-les-moi s'il te plaît. Derrière, je suis derrière toi. Comme ça, on valide ce défi. Voilà, 4, nickel. Je finis cette maison et ensuite, on s'occupe du dernier défi. Alors, voilà, une pelle. Donc sinon, si vous avez des questions à propos de ma chaîne, ou si vous voulez tout simplement faire quelque chose avec moi, enfin un live commentary, ou autre sur Call of Duty, sur Minecraft, ou si vous avez un autre jeu à me proposer, et ben, déjà proposez-le moi, et ensuite je vous dirai si je l'ai ou non. Je pense aussi, je crois que j'en ai déjà parlé, mais peut-être faire un let's play sur Skyrim. Par contre, honnêtement, pour le moment, je n'ai pas trop d'idées sur enfin, quelle sorte de let's play faire dessus pour le moment. Parce que bon, Bob Lennon avec ses 283 let's play, voilà. Je pense que tout le monde en a déjà vu pas mal. Et vraiment, j'ai pas trop d'idées. De toute façon, maintenant sur YouTube, faut innover. Et si on n'innove pas, ben, déjà on n'obtient pas beaucoup de vues. Et ensuite, on peut obtenir beaucoup de dislikes, enfin plein de trucs pas cool. Je pense, enfin. Sinon, à propos de mes dislikes. J'ai vu que j'avais un dislike à peu près sur chaque vidéo. Et je remercie Google Analytics pour m'informer que ce sont que des personnes en provenance de Belgique qui me mettent des pouces rouges. Non mais. Donc c'est une bonne question. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je leur ai fait. Mais apparemment, il n'y a que qui n'aiment pas mes vidéos. Je sais pas quoi dire. Donnez-moi des idées hein, si vous aimez pas mes vidéos. Mais parce que les pouces rouges, voilà quoi. Bon, c'est quelque chose que j'aime pas recevoir parce que c'est quelque chose qui
Je sais pas comment dire, parce que déjà, en plus, un pouce rouge, c'est quelque chose qui sert à rien. Sauf s'il y en a en quantité, ça enterre la vidéo sur YouTube. Alors qu'un pouce vert, quand vous cliquez sur un pouce vert, ça partage la vidéo en plus. Et en fait, un pouce rouge, ben, ça fait pas grand-chose. C'est assez con de mettre un pouce rouge. Bon. Ça me permet aussi, si, ça permet quand même, pour moi, de savoir que vous n'ayez pas aimé la vidéo. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Si, si. Mais Mais sauf que le truc, c'est que si on n'aime pas la vidéo, il faudra peut-être se justifier et dire voilà, pourquoi. ça serait vraiment mieux que vous me le dites en commentaire. Parce que bon, par contre, désolé si vous entendez des personnes parler derrière, ça ne vient pas de chez moi. Mais je pense Ça qu'il vient de chez moi. pense qu'il faudra tout faire pour enlever ça. Ouais, je fais de mon mieux. Enlever ça, excusez-moi, parce que c'est sa maman, donc excusez-moi. Donc vite fait, je fais une porte. Il a coupé son micro. Bon. Par contre, là, c'est assez chelou ce que t'as fait. Hein. Même très très bizarre. Alors, ça, ce sont pas les mêmes bois? Ah, si, ce sont les mêmes bois. En effet, ce sont ça. Hein. Bon. Après, hein, y a des personnes qui arrivent mieux au direct, hein, c'est sûr. Il y a des personnes simplement qui sont seules chez elles. Et c'est quand même plus simple pour faire un live. Parce que bon, nous, faut trouver le temps, faut. Enfin voilà, faut s'adapter aussi parce que on est jeune. Enfin, il y a des grands youtubeurs, ben voilà, maintenant ce sont leur métier, donc ils peuvent faire beaucoup de vidéos. Et c'est normal qu'elles soient de qualité. Et d'ailleurs, heureusement qu'elles soient de qualité, puisque Ils ont que ça à faire, donc ouais. ils ont que ça à faire. Donc voilà. Et je laisse Evan terminer la maison en mettant des escaliers pour le toit. Et moi, je vais adopter le chien. Ouais, bien sûr, ouais. T'as cru quoi? T'as du bois ou pas? Non, j'ai pas de bois. Va couper un arbre. J'ai que ça à faire. Qu'attends-tu? Bon alors, les chiens, si je m'en souviens bien. Oh, j'ai ramassé des dégâts, mais je suis sauté de 3 blocs. C'est pas possible. Avant, on n'avait pas de dégâts à 3 blocs. Non. Ouais, Non? mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un problème. Ouais. Parce que 3 blocs, ouais, bon, ça fait 3 mètres de haut. Normalement, dans la vraie vie, à 3 mètres de haut, on n'est pas par terre agonisant, quoi. Enfin, à part si on réceptionne mal. Et Mais mais bon. tu veux vraiment faire un toit avec des escaliers et tout parce que... Non, c'est bon, au pire, on fait un toit plat. Ouais, j'ai pas que ça à faire, moi. Attends, il y en a pour 5 ans là. Ah, c'est pas grave. Encore, ça aurait été une belle maison qu'on aurait gardée, ouais, mais là, on sait ce qui va en advenir, quoi. Voilà, il y a une petite surprise à la fin de cette maison. Tiens, en parlant de ça, t'as combien de. Non, c'est bon, j'ai assez. J'ai... Enfin, j'en ai qu'une seule, quoi. Ok. J'ai... C'est pas beaucoup, mais bon. Oh, les chiens! Voilà, chouchou, t'as vu comment tu me regardes? Ah, il a la tête à 90 degrés, ça c'est chelou. Bon, allez, toi t'as l'air plus gentil. Voilà, t'es très gentil. Suis-moi. Et un autre chien, allez, juste pour le fun, j'en adopte deux. Parce que j'aime bien les toutous. Ah, je vais te les tuer, tes chiens, tu vois. Oh non, ne les tue pas. S'il te Je plaît. suis jaloux. Donc, alors, par contre, faut que je retrouve le chemin de la maison. Et comme ça, ben, on a terminé. Ce premier épisode, je dis pas ça pour bâcler, mais je dis ça surtout pour moi, pour pas que ma connexion internet soit trop out, si on peut dire, et hors service aussi. Et comme ça, je pourrais uploader cette vidéo dans la nuit qui suit, parce que ça m'arrange assez fortement. Assez fortement, dit-il. Ouais. Et merde, je me suis cassé la gueule. Et je tombe nez à nez avec... Oh, deux archers, vas-y, je vais me faire défoncer. Au moins ça va pas être autant que dans la première vidéo que nous avons essayé de 2 heures. Parce que Evan, oui, Evan est mort plus de 5 fois. Tais-toi, toi aussi, t'es mort deux fois. Ouais, mais moi je suis mort 2 fois pour déconner à la fin avec une TNT. Voilà. Ouais, bon. Donc ça compte Hein? pas. Hein? Si, pour moi ça compte. Non, ça compte pas. Ok. Sinon t'as pas fini de mettre des vitres. Hein. Non. On va dire que c'était un style très contemporain. Donc la maison Oui, ici. c'est tout à fait cela. C'est d'ailleurs. C'est chelou Bon, ça. mon Ah, chien. oui, des escaliers à l'envers. Une petite nouveauté aussi, il n'y a pas très En longtemps. fait, juste elle, j'ai pas assez, il me manque une gunpowder. Ah, il fallait tuer du creeper. Oui. Ben vas-y dans la mine, normalement il y en a plein. Ouais, je vais me faire tuer, je sens encore. Non, tu t'inquiète pas. Enfin. Je dis rien en fait. Connard. Donc le dernier défi, c'est de terminer la maison.
On va dire que ça, c'est comme ça. On va dire que là, il n'y a pas de fenêtre. Je sens bien le Evangelion Blue Up. Je le sens aussi. On sait que t'es fort, Eva, mais voilà quoi. La Sinon, là. puissance a des limites. Tout à fait, si on peut dire ça comme ça. On peut. Donc, ok. Donc, ici, je vais faire un petit passage. Voilà. Putain, mais quand je cherchais un squelette, j'avais des creepers, et maintenant que je cherche des creepers, j'ai des squelettes, quoi. Là là, Minecraft est vraiment. Ils sont méchants avec nous. Ouais. Très méchants. On va... Attends, je vais tuer ton chien. Non, je veux pas être méchant tout de suite. Non, tue pas le chien. Ça sert à rien de toute façon à part te faire bouffer. Oh, mais j'aime bien. Ouais, ok. Ouais, Chacun ses goûts, on va dire ça comme ça. Donc je fais notre petit jardin qui va être sans doute, sans aucun doute, magnifique. Est-ce que j'ai ça? Magnifique. Je vais pouvoir faire une maison dans la norme. Alors, mais ils font quoi les creepers et que ça coupe tous en même temps ou quoi? je ne sais pas du tout, je ne peux pas répondre à ça. Je suis sûr qu'ils sont tous dans la maison avec toi. Si en parlant des NPC, est-ce que les NPC peuvent s'accoupler en leur donnant du foin comme les animaux? Ça, c'est la question dans laquelle je me pose depuis un certain moment parce que bon, j'ai jamais eu le temps d'y répondre. Et on va bien, enfin, je vais essayer parce que bon, comme j'ai posé cette question ici, bah, je vais vraiment essayer d'y répondre dans pas longtemps. Donc notre maison est vraiment sympa. Enfin, il manque juste un peu d'éclairage quand même. Et il y a notre cagibi là-bas. Ils serviront de WC. Enfin, cette ancienne maison servira de WC. Comme dans les fermes à l'époque. Ça fait très classe. Donc voilà. Je pense que c'est bon, t'as tué le creeper? Non. Non? Parce que bon, là, ça fait un peu un temps d'attente inutile. Attends, je vais accélérer un peu les Ça, choses. ouais, parce que. Alors. Ouais. Ah oui, ça, c'est moi qui l'ai rangé. Donc la maison est plutôt sympa. Bah attends, je vais voir si je peux pas avoir une gunpowder aussi. Putain. Il a pris feu lui. Ah, je ne vois pas de creeper là. Je vais en trouver un là-bas. Alors ça va faire comme l'autre vidéo, ça va durer 2 heures, tu sais. Enfin, juste pour trouver un creeper. Ouh là là, 4 zombies. Attention, hein, je suis tout seul. Hein. Bravo, tu veux un biscuit? J'ai bientôt fait 7 levels quand même. Oh non, il me manque quoi d'XP pour passer au niveau 7 là? C'est abusé. Ce qui me manque. Moi j'aimerais bien Ouais, mais un creeper là. quand il y a poteau, il y a poteau, hein. C'est-à-dire quoi ça? Eh ben, c'est-à-dire que c'est pas encore ce qu'il faut pour être niveau 7, t'es pas niveau 7. Ah, ok, les expressions bizarres à Evan. Ouais. Donc vous avez appris quelque chose maintenant? Ah, enfin, je suis niveau 7. Oh, mais yes. Vas-y, mais hey, non, mais. Non, vraiment, je peux En pas fait, trouver un creeper là assez rapidement. on est sur une map, genre mode reproduction accélérée, parce que là, je suis dans un biome, il y a 50 poules, et je déconne pas, attends, j'ai passé dedans, j'ai déjà 10 œufs de poule. Ah, d'accord. Non, vraiment, là, faudrait vraiment trouver vite, assez vite, là, le creeper. Bon, on a l'avantage de la nuit, là, qui commence à tomber. Voilà. Oh, excusez-moi pour le bruit de souris. Non, je trouve pas de creeper. Et j'ai pris un dégât. Alors, C'est parce que t'as sauté dans le vide. je sais pas pourquoi. Enfin, Non mais voilà. c'est parce que t'as touché de l'air, cherche pas. Ah, ok. C'est pour ça. Donc, je sais pas si c'est l'archer qui m'a eu. Pourtant, j'ai perdu que 0,5 cœur. Donc, c'est pas très logique. Ah, mais. Oh, dès qu'on cherche des creepers, il n'y en a pas. Il fait nuit noire et il n'y a pas un seul creeper. Bon, ah, c'est toi là-bas qui cours. Oui, c'est moi. Donc, je crois qu'on va se finir là-dessus. Hein. Aïe. Donc, Evan, si t'as quelque chose à rajouter, On va faire péter la maison avant peut-être. tu vas la faire péter avec quoi? Oh, j'ai mes moyens à moi. Ok. Bon, c'est vraiment pour terminer cette vidéo. Là, je l'ai explosion. Hein. Ouais. Oh, il y a deux Oh, archers sur le il y a toit. 50 creepers. Non mais il y a 50 creepers à côté Ah, de la maison. oh, comme ils ont spawn. Oh, il y a un zombie dans la maison aussi d'ailleurs.
Ouh Ils là vont te péter à la gueule. On là. s'en Les fout. types. On a la gunpowder. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'il y avait un zombie dans la maison là, qui s'est trimballé. Ah voilà. Ah le coquin il s'est caché hein. Oh là là. David, ouvre-moi la porte. Et elle est ouverte. Je vais mourir. Et ferme la porte aussi. Aïe, je l'en peux. Non! Ça, C'est moi excuse-moi. qui me tue. Bah ouais. C'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Donc alors, je crois que c'est moi qui ai ramassé ta gunpowder. C'est moi qui t'ai ramassé ta gunpowder. Je ne sais pas où elle est. Moi non plus. Tu la vois pas, donc c'est toi qui l'as ramassée alors. Ouais, sûrement, attends. Parce que moi je ne l'ai pas. Ouais, c'est moi qui l'ai. Désolé pour ce bruit. Bah vas-y, essaye de faire ça assez rapidement ton petit délire, si on peut dire. Mon petit délire, c'est un objectif, tais-toi. Un objet. Je sais Attends, il pas y a un si. zombie qui est en train de forcer la porte, tu peux Ouais, pas. il y en a même deux, hein, vas-y. Mais allez, fais péter vite. Vite, nous. Oh, mais ils sont en train de péter la porte! Mais je croyais que Ah c'était qu'un hardcore. Mais c'était pas qu'un hardcore? Qui Non. casse les portes? Là, pourtant, j'étais sûr. On voyait la porte s'abîmer. T'aurais du bois, s'il te plaît? Attends, c'est bon, j'en ai en fait. Quoi? Non, mais c'est bon, je suis en train de prendre sur la maison. Ah ok, bah, carrément. C'est rapide. Ah si, en fait, j'avais du bois. Bah, fallait répondre avant, d'accord? Ouais, et ben, on va remplacer ce trou par de la dirt. C'est vachement classe maintenant. Oh non, oh non, je vais mourir. Oh non. Oh bah, je suis mort. Et je n'ai plus de lit parce que. Oula, ouais, il y a un joli cratère maintenant. Donc je vous dis à plus tout le monde et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ben à la prochaine. Ah attends, j'avais dit que je tuais ton chien, il est passé où ton chien? Oh non, ça sert à rien. Bon, allez, salut à tous. Ciao tout le monde!